Bonsoir Facebook, bonsoir à vous qui regardez ce live, qui allez vous connecter. Je laisse quelques instants au système pour vous notifier que je suis en direct. Donc Marie-Christine Eustache, cultivatrice de bonheur. Je permets aux femmes qui ont des enfants et qui de ce fait ont mis au placard leurs rêves. Donc je les invite, je les encourage, je les accompagne à ressortir justement leurs rêves des placards, pour les réaliser, pour s'épanouir, pour pouvoir dire « ouais, c'est possible, ouais, je l'ai fait ». Voilà, ce sont des choses que j'ai déjà faites et que je continue à faire avec un immense plaisir. Thématique du live ce soir, c'est une question d'énergie. Je me posais la question de savoir de quoi j'allais vous parler ce soir et ma fille m'a amené le sujet parce que pour elle, les questions d'énergie, c'est pas possible. C'est pas scientifique. Et donc cette question d'énergie, comment vous abordez un petit peu la chose? Il y a des personnes qui vont dire non, non, mais en effet, ce n'est pas scientifique, on ne peut pas mesurer l'énergie, on ne peut pas mesurer, si il y a des personnes qui le font, hein, des personnes qui ont ce talent de mesurer sur une échelle de Bovis, par exemple, hein, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, la vibration d'une personne, je sais qu'il y a des choses qui se font avec la photo Kyriane, où on peut voir l'énergie de la personne en lumière et voir justement où il y a des trous d'énergie. Mais de façon beaucoup plus simple, quand on croise une personne ou quand on va être en relation avec une personne, il y a des personnes, on aurait presque envie de leur sauter au cou pour les embrasser tellement... Bah, elles sont sympas, enfin, il y a une bonne énergie, etc. Et puis il y en a d'autres, on a juste envie de se tenir à 15 km, voire de fuir à toutes jambes. Bah, qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a cette question d'énergie, cette question de vibration, cette question d'état d'être. Et on a la capacité, en tant qu'être humain, justement, de switcher. Bonsoir, je vois qu'il y a un petit œil qui se connecte, bienvenue sur le live. On a la possibilité de changer d'énergie, on a la possibilité de changer de vibration, on a la possibilité d'avoir une énergie qui est meilleure, plus agréable, etc. Et je remercie toutes les personnes qui me font des retours justement et qui constatent mon évolution ces derniers mois, ces dernières années. Donc un coucou à Bernadette en particulier qui m'a fait un retour cet après-midi. Et à d'autres, il y a eu Karen, il y a eu Sophie, il y en a plusieurs. Ben voilà, parce que j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Et comme j'en ai parlé un petit peu hier soir dans la masterclass qui est disponible sur la chaîne YouTube, vous pouvez la retrouver directement. Il y a des choses que j'ai faites pour avoir cette énergie, comme de cultiver la gratitude tout au long de la journée, cultiver la joie, cultiver le bonheur, développer ma capacité d'amour et puis aussi travailler sur mon organisme, sur mon métabolisme, ce que je disais à ma fille cet après-midi. Je dis, bah, tu vois quand même le résultat sur ma santé, ma vitalité. Si je n'avais pas travaillé avec Eric en pratique en médecine traditionnelle chinoise, s'il n'était pas intervenu sur mon métabolisme, je ne sais pas dans quel état je serais aujourd'hui. Ça fait trois ans qu'il m'accompagne et ça fait 2 ans que Pascal a pris aussi intervention sur mon organisme en ostéopathie, bioquinergie avec la micronutrition. Donc il y a eu tout un ensemble évidemment d'actions qui ont fait que j'ai changé cette énergie. Et pour vous qui regardez ce live, je vous partage tout plein d'informations, etc. Vous allez pouvoir vous connecter avec moi ou avec d'autres personnes. Coucou, bienvenue sur le live, je vois qu'il y a du monde qui arrive, je ne sais pas qui. Des spectateurs mystères, vous pouvez me faire un coucou en commentaire ou mettre un pouce, comme ça je verrai qui est là. Mais si vous voulez rester masqué, il n'y a pas de souci, c'est OK aussi. Et ce qui est important, de plus en plus actuellement, c'est de suivre notre intuition, de suivre ce qui nous plaît vraiment. Est-ce qu'on a envie de ça ou est-ce qu'on n'en a pas envie? Et c'est pour ça qu'hier, j'ai fait cette masterclass, mais vraiment au pied levé. Parce qu'hier matin, je me dis, ouais, non, il faut que je partage ça, il faut que j'en parle. Et puis, quand je regarde le planning, je dis, oh là, c'est compliqué.
Ah, c'est pas possible, là, c'est pas possible. Ben, je le fais soir. Et ça m'a vraiment mis en joie de me dire, bah ouais, non, bah ok, je le fais soir. Et puis, c'est pas grave, il y aura qui y aura, il y aura pas qui y aura. Et puis, c'est tout. D'accord? Je me pose pas la question. Je fais. Quand j'en ai envie. Et j'essaye de le faire de plus en plus. D'accord? J'essaye de le faire de plus en plus et de vérifier aussi avec les personnes avec qui je peux être en interaction, s'il y a vraiment plaisir à faire telle ou telle chose, ou s'il y a un côté obligatoire, un peu pas top, etc. Ouais, bon, il faut le faire. Et là, dans ce cas-là, ça ne met pas tellement en joie. D'accord? Donc, je vous invite vraiment à prendre le temps, de prendre un instant, de réfléchir, de ressentir, surtout à l'intérieur de vous, parce que ce n'est pas le cerveau hein, qui va fonctionner, c'est le cœur, c'est l'intérieur, c'est les tripes qui vont dire ce truc-là, j'en ai envie, ou ce truc-là, j'en ai pas envie. Comme moi, quand j'ai vu les premiers, voilà, l'interview avec Nikki Duhal, avec la coach qui m'accompagnait, Gabrielle, la première fois que j'ai vu, je dis ouais, d'accord, ok, ouais, une super énergie cette nana-là, ok, d'accord. Et puis bon, voilà, je suis passée. Et puis après, j'ai revu un live, deux lives, trois lives. Puis j'ai commencé à me dire, ah, ça me plaît ce qu'elle fait. Ça me plaît l'énergie qu'elle a. Et donc, quand elle a parlé du programme Émergence pour lequel il restait des places, ah ben alors là, mais c'était la fête à l'intérieur de moi. Je me dis, ah ouais, non, mais c'est ça que je veux faire. C'est vraiment ça que je veux faire. C'est vraiment avec elle que j'ai envie de travailler. J'ai envie d'être à ses côtés. Et donc, j'ai rejoint le programme. Donc, je vous invite vraiment à prendre le temps de vous observer et de vous dire qu'est-ce que j'ai envie de faire, qui j'ai envie de suivre, qui j'ai envie de regarder, avec qui j'ai envie de travailler et d'aller vers ces choses-là. Voilà, il y a tout plein de monde, tout plein de monde, tout plein de monde. Prenez le temps de voir avec qui vous avez envie de connecter, avec qui vous avez envie de matcher, d'avancer. Et bientôt, je vais vous proposer quelque chose. C'est encore un petit peu dans les tuyaux, c'est encore un petit peu en préparation. Voilà, il y a déjà des idées, ça se dessine un petit peu, ce sera un accompagnement probablement sur 6 ou 8 semaines, avec pas mal de choses, je suis en train de travailler ça. Voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, cultivez bien votre énergie, votre vitalité, et je vous retrouve demain. Bonne soirée.